Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de 4 pavés, 4 gros livres, gros romans que j'ai lus cet été et qui m'ont beaucoup plu. Donc il s'agit de faire un mini bilan un petit peu de mes lectures estivales, même si j'ai lu d'autres livres. Ces 4 livres m'ont beaucoup plu et surtout l'été est un moment propice pour lire des gros pavés, donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est La faute de l'abbé Mouret d'Émile Zola, qui est le 5e tome des Rougon-Macquart et qui met en scène l'abbé Serge Mouret, qui est un homme extrêmement pieux, extrêmement touché par la grâce divine et qui possède une sorte de fascination pour la figure de Marie. Et il va en fait tomber amoureux d'Albine, qui est une jeune femme aux allures virginales, qui ressemble en fait finalement un petit peu à Marie et à d'autres figures féminines de la religion. Et cet amour va tout bouleverser pour lui. Il va bouleverser ses convictions religieuses, personnelles, sa morale, et il va se retrouver face à un dilemme, succomber à cet amour, donc commettre une faute, c'est dans le titre, ou conserver sa fidélité à la foi, à la religion, et rester fidèle à ce vœu de chasteté qu'il a fait en devenant abbé. C'est un texte qui est un petit peu à part de ce que j'ai déjà lu de Zola, un petit peu à part aussi dans les Rougon-Macquart, puisque c'est un texte qui ne s'inscrit pas tout à fait dans le naturalisme. C'est une œuvre qui met en scène de nombreux passages très lyriques, notamment toute la deuxième partie. Le livre est composé de 3 parties. Toute la deuxième partie est composée des amours entre Serge et Albine dans un jardin de fleurs, le Paradou, dont le nom fait écho au paradis, évidemment. Et cet amour, ce lieu est comparé au jardin d'Éden, en fait. La faute qui est commise par les deux personnages s'apparente bien évidemment à la faute commise par Adam et Ève dans la Genèse. Donc c'est un petit peu une réécriture en quelque sorte de la Genèse et de l'amour entre Adam et Ève. C'est un livre du coup qui est extrêmement beau, avec de très très belles descriptions, qui est très bien écrit, énormément de lyrisme, de poésie, notamment donc dans cette deuxième partie qui est celle que j'ai préférée. Et qui est encadré par 2 parties qui m'ont... Enfin, la deuxième partie apparaît un petit peu comme un sommet, tandis que la première est une montée vers le sommet, et la troisième une sorte de redescente, finalement. Au-delà de ces très belles descriptions, c'est aussi un texte qui parle de religion, des carcans qui sont un petit peu imposés à la religion, et qui propose aussi différentes visions de la religion. Une religion très spirituelle qui est portée par le personnage de l'abbé Mouret, qui est un personnage qui vit vraiment sa foi comme quelque chose d'intérieur, presque comme une... Enfin, il y a des moments, enfin, il y a des tas de scènes qui sont limite surnaturelles, en fait, où il a des sortes de révélations, il est trépassé en quelque sorte par son amour pour Dieu, pour la Vierge Marie. C'est limite mystique, en fait, il a une vision de la religion qui est presque mystique, et une religion beaucoup plus moralisatrice, sociale, qui est notamment présentée par un autre personnage, un autre prêtre, extrêmement misogyne, qui considère les femmes comme les détentrices du péché, et qui adopte une religion dure, punitive, et qui a des conséquences en fait dans la petite société dans laquelle il évolue. Donc il y a différentes visions de la religion et de la manière dont on vit la foi qui sont présentées par Zola. Évidemment, c'est un livre aussi qui traite de la tentation, de ses conséquences. La réponse de Zola était forcément toujours un petit peu nuancée. Évidemment, une critique du dogme religieux et de ses conséquences sur les personnes qui l'adoptent. Il y a évidemment une critique sociale des conséquences néfastes de la religion sur la société de manière générale. Voilà. Donc j'ai adoré ce livre qui est peut-être mon Rougon-Macquart préféré.
Ce qui est un petit peu étrange parce qu'il est assez différent de ce que j'ai lu, de ce que j'ai déjà lu des romans de Macaire de Zola. Mais c'est vraiment un texte magnifique qui m'a fait penser dans les descriptions au Lys dans la vallée de Balzac, qui raconte là aussi un amour impossible avec l'entremêlement en fait de l'amour avec le paysage, et ça je trouve toujours ça très très beau. Voilà. Donc c'est un livre que je vous recommande si le sujet de la religion, de la spiritualité, etc. ne pose pas de problème. Moi j'adore les livres qui parlent de religion, donc ça ne m'a pas du tout dérangée. Mais je vous le signale quand même parce que je sais que c'est parfois un sujet qui peut un petit peu rebuter certaines personnes. Ensuite, je vais vous parler de La force de l'âge de Simone de Beauvoir. Donc il s'agit du deuxième tome des mémoires de Simone de Beauvoir. Le premier tome s'intitule Mémoires d'une jeune fille rangée et traitait principalement de l'enfance, de l'adolescence et de l'arrivée dans le monde adulte de Simone. Ici, La force de l'âge va traiter les premières années de la vie d'adulte de Beauvoir, donc sa vingtaine, début de sa trentaine évidemment, et le roman va couvrir également des périodes historiques majeures comme les années 30 et la Seconde Guerre mondiale évidemment. C'est le tome de la rencontre avec Sartre, de la vie commune avec Sartre. C'est aussi le début de la vie d'écrivaine de Simone, qui va notamment parler, elle parle notamment de livres qui sont aujourd'hui publiés et qu'elle a, voilà, qui sont devenus des classiques de son œuvre littéraire. Elle parle notamment beaucoup de L'Invité, que je n'ai pas encore lu, mais du coup je l'ai acheté après avoir lu ce livre parce que ça m'a donné envie de le lire. Et c'est évidemment un témoignage aussi d'une période historique quand même assez particulière. Donc les deux axes majeurs sont vraiment la conception de Simone de Beauvoir de l'écriture. Il y a aussi énormément de passages où elle parle des livres qu'elle a lus, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Elle parle aussi de son processus d'écriture, de ses insatisfactions, et en tant que personne qui écrit également, ça m'a fait pas mal de bien de lire une grande autrice qui elle aussi passe par des périodes de doute, par des périodes d'insatisfaction totale, qui parfois abandonne des manuscrits, enfin... On sent beaucoup de frustration et on sent que c'est aussi un travail qui a mis des années à se mettre en place, donc c'est vrai que c'est assez rassurant de lire ça et en même temps très intéressant de voir un petit peu ses méthodes d'écriture. Et elle parle également donc de la guerre, de son début de politisation, puisque c'est l'entrée de Beauvoir dans la politique, politique de laquelle elle veut d'abord se tenir à l'écart. Et en fait on se plonge un petit peu dans ce milieu intellectuel qui a un petit peu fermé les yeux sur la montée de la guerre. Donc évidemment avec Sartre, alors elle était assez jeune quand même, enfin Sartre aussi, donc bon, on comprend aussi peut-être l'absence de réaction ou l'impuissance qu'ils ont pu ressentir, mais elle se décrit comme étant choquée évidemment par les actes antisémites qui montent en Allemagne, par le fascisme qui règne en France et ailleurs. Mais il y a une sorte de déni total de la guerre qui arrive en fait, de déni total du danger in extremis qui l'attend en fait. Il y a la volonté de se raccrocher à un espoir insensé que tout ça ne va pas basculer dans l'horreur en fait. Et la guerre du coup lui tombe un petit peu dessus, et même quand la guerre lui tombe dessus, elle est toujours dans le déni. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a aussi toute une réflexion de ce qu'elle aurait pu faire, ce qui aurait pu avoir lieu si elle s'était rendu compte de certaines choses. Enfin, il y a aussi un petit peu de remords parfois, on sent le remords de ne pas avoir fait assez. Il y a toute une réflexion de avec le recul, de dire comment on n'a pas pu voir que ça allait nous arriver dessus, quoi. Et aussi, ce qui est déterminant, et je pense que ce qu'on retrouve dans le tome suivant qui s'appelle La force des choses, c'est une politisation vraiment de plus en plus forte au fur et à mesure du texte, et la volonté de s'investir dans la politique finalement pour justement ne pas se retrouver à nouveau dans cette position de passivité totale face aux événements historiques. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. C'est aussi intéressant de voir la manière dont elle juge, le regard qu'elle porte sur des auteurs et des autrices contemporains à son époque. Moi, ce que j'adore dans les mémoires, c'est justement voir un petit peu ce que les grands auteurs disent les uns des autres et les découvrir sous un autre angle. Et ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Notamment, elle a
plusieurs pages sur Jean Genet, et avoir lu ces pages sur Jean Genet me conforte dans l'idée que c'était vraiment un auteur assez à part et une personnalité assez particulière. Elle parle de Camus aussi, donc elle parle vraiment de pas mal de grands auteurs, et elle parle aussi de ses lectures, et ça c'était très intéressant de la voir lire des auteurs que je connais, aussi des auteurs que je connais pas, parfois noter des petites références. Voilà, et on retrouve évidemment des débuts de réflexion sur le genre, puisque le deuxième sexe a été écrit en 1949, donc c'est postérieur à la période historique qui est décrite dans La force de l'âge, mais on sent quand même un début d'intérêt pour ces questions-là qui vont ensuite donc mener au deuxième sexe. Donc, malgré sa taille assez importante, c'est un texte qui se lit vraiment très très vite. C'est très fluide, on découvre vraiment une personne, enfin qui a une personnalité quand même assez affirmée, qui aime voyager, qui aime bouger, enfin il y a beaucoup de récits de ses voyages, enfin un personnage assez étonnant finalement, mais assez en accord avec ses textes, ses œuvres, enfin en accord avec l'image que j'avais d'elle. C'est quelqu'un qui peut paraître froid aussi, enfin j'ai trouvé que parfois elle a beaucoup de distance sur ce qu'elle écrit, elle a beaucoup de distance aussi avec les personnes qu'elle aime. Par exemple Sartre, elle l'appelle tout le temps Sartre. J'ai trouvé que c'était un petit peu froid pour quelqu'un avec qui elle a vécu pendant des années, mais bon, c'est peut-être aussi un choix d'écriture, mais il y a notamment aussi toute une réflexion sur pourquoi elle s'est pas mariée, enfin vraiment c'est un livre très complet qui se lit très très bien, donc malgré la taille, foncez, enfin lisez Mémoire d'une fille rangée avant peut-être quand même, vraiment ces deux tomes là, Mémoire d'une fille rangée et La force de l'âge, sont vraiment des incontournables de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Ensuite, dans cette vieille édition qui appartenait à mes grands-parents, ça c'est mieux, j'ai lu Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Donc sûrement son roman le plus connu, le plus emblématique, enfin à titre personnel j'ai lu déjà Le Joueur, Le Double, Les Frères Karamazov et Les Possédés, ou Les Démons, enfin, ça a été traduit sous les deux titres. Crime et Châtiment était quand même un incontournable, et ça fait des années que je veux le lire et des années que je ne le lis pas, donc cet été je me suis dit c'est bon, cet été tu lis Crime et Châtiment. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Parce que, par exemple, Les Possédés m'avaient un peu déçue. Je pense que je suis complètement passée à côté du texte. Au contraire des Frères Karamazov, que j'avais adoré. Crime et Châtiment, clairement plus du côté des Frères Karamazov dans mon appréciation. C'est un texte dans lequel on va suivre Rodion Raskolnikov, qui est un ex-étudiant en droit complètement ruiné. Qui a des dettes, qui les coule auprès d'une usurière assez détestable, que lui peint comme détestable en tout cas, et qui en fait va commencer à réfléchir à la question du meurtre, à se dire est-ce que tout meurtre est nécessairement condamnable, notamment si ce meurtre libère entre guillemets la société d'un poids. Donc il va commettre un meurtre, et tout le texte va traiter de tentative vaine de justifier son acte. Comment parvenir en fait à moralement trouver des excuses à un acte répréhensible, aussi répréhensible que le meurtre. Comment parvenir à avoir la conscience tranquille après cet événement. Comment continuer à vivre. Ce sont des questions qui vont le torturer tout le livre. Et en fait, il va tenter pendant des pages et des pages et des pages de trouver une forme de rédemption finalement à son acte qui va évidemment ne jamais vraiment arriver quoi. Et en même temps il va construire en fait toute une théorie du meurtre, notamment il va écrire un article dans lequel il va classer les êtres humains en deux catégories, entre ceux, les hommes ordinaires finalement, les humains ordinaires dont il fait partie, dont il peut faire partie, et les humains extraordinaires. Par exemple, dedans, il va mettre Napoléon, Mahomet, d'autres grandes figures de l'histoire de l'humanité, qui sont pour lui des hommes extraordinaires, en fait, et qui, en fait, peuvent tuer et avoir de bonnes raisons de le faire et être excusés pour ça. Et donc, pour lui, les hommes ordinaires ne peuvent pas tuer, mais les hommes extraordinaires le peuvent.
Et il essaye tant bien que mal de se caser dans la catégorie en fait des hommes extraordinaires, puisque toute cette rhétorique sert à essayer de le justifier et de se dire que son crime finalement a eu plus de bonnes conséquences que de mauvaises. Et en fait le problème dans son meurtre, c'est que c'est un double meurtre. Le meurtre effectivement d'une personne que lui considère comme nuisible pour la société, et d'une personne innocente en fait. Et la personne innocente, enfin le meurtre de la personne innocente n'est jamais justifiable. Il n'y a pas de bonne raison pour tuer un innocent. Et donc en fait ce double meurtre va complètement le détruire. Enfin il y a tout vraiment. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont l'après-meurtre est traité. Comment psychologiquement il s'en remet ou ne s'en remet pas. Et ça c'est vraiment, enfin ça nourrit tout le texte. Et sans spoiler, la fin apporte une réponse à la question comment trouver la rédemption après un crime. Est-ce possible? Est-ce que tous les crimes sont justifiables? Quelles conséquences, etc. La fin donne une vraie réponse avec laquelle je suis pas forcément d'accord, mais qui est très intéressante. Dans le livre, il y a aussi évidemment d'autres intrigues, mais ça c'est l'intrigue principale et vraiment le centre et l'intérêt du livre. Mais évidemment, il va y avoir des intrigues. Il y a beaucoup de personnages dans le texte qui sont assez détestables. Raskolnikov n'est pas le seul à être vraiment avoir commis une horreur, et malgré ça, il reste quand même, je trouve, assez sympathique. Il y a pas mal de personnages qui sont aussi des criminels, pas forcément jusqu'à tuer, mais qui sont des ordures, enfin des gens qui commettent des actes extrêmement répréhensibles. Ces histoires vont s'entremêler à celles de Raskolnikov. Il y a notamment toute une intrigue avec sa sœur qui est convoitée par deux hommes qui sont peu fréquentables, voilà. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui interviennent. Certains représentent le bien, d'autres le mal, d'autres c'est plus ambigu. Voilà, donc de manière générale, c'est aussi un roman qui décrit une petite société. Voilà, c'est très long, mais je trouve quand même que c'est pour un livre qui est décrit comme un gros classique, peut-être un petit peu intimidant. Moi j'ai trouvé que ça se lisait plutôt bien, c'était plutôt facile à lire, notamment parce qu'il y a pas mal de suspense, il y a des moments de rebondissement, de l'action, enfin il y a vraiment des passages où on est en haleine. Donc de ce sens-là, je trouve que c'est un classique qui est plutôt abordable si vous avez quand même un peu l'habitude d'en lire. Voilà, donc je le conseille, je trouve que c'est plus facile à lire que ça en a l'air, voilà. Et évidemment, chez Dostoïevski, il y a toujours des réflexions philosophiques et morales qui sont extrêmement intéressantes. J'ai trouvé notamment que ce livre peut vraiment être mis en lumière avec les frères Karamazov. Il y a des réflexions vraiment assez similaires. Donc si vous avez lu les frères Karamazov, je vous conseille de le lire lui aussi, et vice-versa. Et de comparer un petit peu les deux pour vous donner une meilleure idée des positions philosophiques et politiques, morales de Dostoïevski. Le dernier texte dont je voudrais vous parler, c'est encore des mémoires, encore d'une autrice, cette fois d'une autrice russe, C'est moi qui souligne, de Nina Berberova. Donc Nina Berberova, c'est une autrice russe qui a vécu au XXe siècle, qui a dû s'exiler en France après la Révolution de 1917, parce qu'elle était une intellectuelle. Elle s'est donc exilée au début des années 20 avec d'autres intellectuels russes, et elle a vécu donc une bonne partie de sa vie en France, puis elle a émigré aux États-Unis. Finalement, elle n'est jamais vraiment revenue en Russie. C'est une autrice qui a été découverte sur le tard d'ailleurs, et qui a été publiée un petit peu avant sa mort, mais toutes ses œuvres ont vraiment été publiées à la fin de sa vie. C'est moi qui souligne, c'est donc son autobiographie dans laquelle elle revient sur sa vie depuis son enfance jusqu'à sa vie aux États-Unis. Donc on suit d'abord au début son enfance, la montée de la révolution, la montée progressive de la révolution, le début des persécutions des intellectuels, son exil et sa vie en France qui est donc une vie d'exilée, une vie à l'écart de sa patrie, une vie finalement dans laquelle elle va retrouver énormément de Russes, puisque beaucoup d'entre eux se sont exilés en France, et il va y avoir toute une nostalgie, tout un mal-être finalement de ne pas vivre dans son pays, d'être obligé de s'exiler. Il va y avoir également
la description d'une société d'auteurs et d'autrices russes. On retrouve des noms que vous connaissez pour beaucoup, Anna Armatova, Vladimir Nabokov, Ivan Bounin, Marina Tsvetaeva. Ces gens-là, en fait, apparaissent dans son œuvre, donc c'est assez intéressant de les voir d'un point de vue d'humain, finalement, pas uniquement d'auteur et d'autrice. D'ailleurs, elle a beaucoup de passages sur Nabokov qui sont... donnent l'impression que ce n'était pas une personne très sympathique, en tout cas de son point de vue, mais un génie de la littérature. C'est l'impression que c'est le cas de pas mal d'auteurs. Et notamment, enfin moi j'ai beaucoup aimé ces passages sur Marina Tsvetaeva. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que en fait cette génération est un petit peu maudite en quelque sorte. Parce qu'à chaque fois qu'elle parle d'un auteur ou d'un intellectuel, il y en a beaucoup dont elle parle qui sont pas vraiment passés à la postérité ou qui sont pas très connus, mais c'est étonnant et un peu triste de voir que beaucoup d'entre eux se sont suicidés, sont morts dans des camps. En fait, ont une fin tragique, et ce qui donne un peu l'impression d'une génération maudite, de gens qui, en fait, ont vécu une vie malheureuse et qui n'étaient jamais vraiment à leur place et dont la séparation avec la patrie a été extrêmement douloureuse, n'a pas bien fini, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez perturbant à chaque fois de voir un personnage apparaître, et souvent, quand elle en parlait, elle annonçait tout de suite la fin qu'il allait avoir. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un petit peu triste, quoi, de se dire... Un moment aussi, elle énumère en disant « Alors voilà, lui, il est mort là, lui, il est mort comme ça, et elle s'est suicidée. » Enfin, c'est un peu triste, quoi. Donc, ça donne vraiment l'impression d'une génération maudite, quoi. D'une génération, en fait, qui n'a jamais vraiment su s'adapter à son époque, qui n'a jamais vraiment su être heureuse. C'est assez triste à lire, quoi. C'était vraiment triste, et elle a fait exception, finalement, puisqu'elle a vécu très longtemps, et elle a finalement réussi quand même à trouver, dans son exil... certaines formes de paix, voilà. On voit aussi ses travaux d'écriture. Elle met notamment au début de son œuvre des extraits de poèmes, puisque la poésie était vraiment le genre vers lequel elle s'était d'abord tournée. Et puis c'est marrant de voir qu'elle est devenue plus connue quand même avec des romans. Mais la poésie est vraiment associée, j'ai trouvé, plus à une œuvre de jeunesse, et l'œuvre plus mature a été le roman pour elle. Donc c'était intéressant aussi. Pour comparer un petit peu avec Simone de Beauvoir, elle parle beaucoup plus de la littérature pour le coup, et beaucoup moins de l'aspect politique. C'est beaucoup plus une autobiographie que des mémoires, justement. Là est la nuance. Elle parle vraiment d'elle, de son adaptation dans des milieux intellectuels. Il y a beaucoup plus de psychologie personnelle qui est travaillée. Donc c'était assez différent, en fait, et c'était très intéressant. Du coup, j'ai envie de lire beaucoup d'autres de ses œuvres, notamment plusieurs œuvres dont elle parle dans son texte, dont certaines que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque. C'est vraiment le témoignage d'une époque et en fait de toute une société russe exilée. L'impression de ne jamais être à sa place, l'impression de déchirement, la nostalgie, le mal-être, enfin tout ça est très présent dans son œuvre, et évidemment le rapport à l'écriture, la construction d'une écrivaine, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Elle lisait très jeune, elle parle quand elle lisait jeune de Tolstoï et Dostoïevski. C'est une énorme immersion dans la littérature russe pour le coup. Ça c'est très intéressant si vous aimez la littérature russe comme moi, vous allez découvrir plein de choses. Elle donne aussi son avis sur des œuvres, elle a une très bonne analyse littéraire des textes. J'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un avec qui je me suis sentie assez proche, voilà, je l'ai trouvé d'une grande sensibilité, et en même temps avec un certain recul sur sa vie et sur la littérature. Donc, c'est un texte extrêmement complet, que je vous conseille vivement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les pavés que vous avez lus cet été, certains gros livres que vous recommanderiez de lire pendant un été. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.